Tu peux pas arrêter 2 minutes. Si tu étais aussi assidu au collège qu'avec tes jeux, on pourrait peut-être faire quelque chose de toi. Je te parle. Non, parce que vu les notes de ce trimestre, tu vas redoubler, hein. Attends, pardon. Tu vas tripler ta troisième. Tu comptes peut-être passer ta vie en troisième, après tout. En fait, ton job, ça va être ça. La troisième. Ou bien vendeur de téléphone. C'est pas mal, ça aussi, non? Ouais. Allô? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi, c'est moi. Tu es à table. Tu peux lui aider à rappeler plus tard. C'est là qui me prend la tête. Il faut que je l'approche. T'inquiète pas, hein. Je vais pas te la prendre longtemps, la tête. J'aime pas la vie. Tant pis, il n'y a pas de choses qu'on aime dans la vie. T'as pas oublié que tu voyais ton père aujourd'hui? S'il pouvait te garder quelques jours, ça ferait des vacances. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien mangé? J'ai pas faim, t'arrêtes pas de gueuler, je me casse, comme ça tu les auras tes putains de vacances. Je viens d'avoir un accident. Non, sur la route de Camara. Il y a un scooter aussi. Je sais pas, il bouge pas. Non? D'accord. Allô? Allô, Igor? Non. Passe-moi, Igor. Il a eu un accident. Il bouge pas. J'ai appelé les pompiers, mais ils vont pas tarder à arriver. Mais qui êtes-vous? Je vous demande de me passer mon fils. Mais... Passez-moi mon fils. Igor? Ta maman. Igor, c'est maman. Tu sais, je n'aime pas quand on se dispute. En plus, tu es parti sans ton casque. C'est dangereux. Les gens roulent mal et... Igor? Igor, réponds-moi. Il n'a pas bougé. Venez avec moi.
T'as aimé? Je t'ai fait un tornado juste à point. Avec des petits pommes de terre sautées. Bien grillé. Je me disais, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être tu pourrais arrêter l'école. Il y a des gens qui ont très bien réussi dans la vie sans avoir pour autant fait de grandes études. Hein. Je sais que tu aimes la musique. On pourrait se renseigner pour que tu suives des cours au conservatoire. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis sûre que ton père sera d'accord. Je vais l'appeler, tiens. On s'est dit que peut-être il pourrait suivre des cours au conservatoire.